Nous espérons, au fond, ce que ces 3 années de travail, à une quarantaine de chercheurs, nous ont conduit à penser, c'est-à-dire que, en réalité, d'abord, les problèmes de choc démographique sont absolument déterminants pour l'histoire d'à peu près tous les pays développés, mais notamment le nôtre, et chaque fois de manière spécifique. Petit 2, que les problèmes finalement, de vieillissement et donc de politique économique associée soit au vieillissement, soit au rajeunissement, c'est-à-dire à l'arrivée d'une couche très importante de plus de 60 ans et de moins de 30 ans, est déterminante pour finalement créer des politiques économiques actives. Et notamment, c'est une grille de lecture qui permet aux frontières de bouger. Donc c'est en fait très positif. Et puis troisième aspect, c'est que bah, derrière tout ça, cette politique économique, c'est très largement lié à la protection sociale et qu'il faut le prendre dans sa globalité, ces différents problèmes. Je prends un exemple, si je traite des problèmes de retraite et de report d'âge de la retraite, de départ à la retraite, je dois me poser la question de la formation professionnelle, etc., etc. Donc au fond, d'abord beaucoup d'importance au sujet. Des politiques économiques vraisemblablement assez nouvelles, intergénérationnelles, et beaucoup de cohérence entre les différents secteurs concernés. Moi, je pense que ça va toucher tout le monde, mais évidemment les politiques, pour le moment, nulle part d'ailleurs, sauf peut-être dans les pays d'Europe du Nord, n'ont vraiment pris conscience de l'actualité du sujet et du rôle très lourd que ces contraintes pourront avoir dans les années qui viennent, simplement parce que le vieillissement, c'est des gens qui toucher une retraite, sont souvent plus malades que des jeunes, ont une aversion au risque pour le financement, donc c'est un problème de financement de l'économie, sont moins innovants, donc problème. Donc en fait, c'est toute l'économie française qui est déterminée par ce sujet-là, et je trouve que on peut tout à fait en tirer parti, mais à condition de bien avoir en tête les contraintes, les limites du sujet. Et moi, j'ai appris énormément de choses. Non, et vous imaginez, 38 économistes, en plus, qui ne sont pas, évidemment, pas d'accord entre eux, mais qui, en gros, sur les lignes directrices, sont d'accord pour travailler ensemble, c'est formidable. On va vraiment essayer de diffuser ça chez les politiques, chez les ministres. Et au fond, le président de la République doit y être sensible, puisque c'était un des ses thèmes de campagne. Vous vous souvenez, la politique de la jeunesse, donc il faut vraiment qu'il y revienne.